Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Avant de commencer, j'ai une surprise pour vous. Loin du confinement, on peut exercer une aventure. On va plonger ensemble. Suivez-moi. Alors mes chers élèves, comment vous avez trouvé la surprise? Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Qu'il s'agit de la phrase affirmative et la phrase négative. Comme d'habitude, on va commencer par un petit rappel. Donc dites-moi, qu'est-ce qu'une phrase? Bravo mes chers élèves! La phrase est un groupe de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Exemple, le lapin adore les carottes. Maintenant, on va voir les formes de la phrase. Observez bien ces deux images. Qu'est-ce que vous voyez sur ces images? Très bien, deux enfants qui jouent dans leur chambre. Regardez bien la première image. Donc la première image, c'est la chambre de Mouna. Et la deuxième est la chambre de Karim. Posons la question. Est-ce que Mouna range sa chambre? La réponse est oui, Mouna range sa chambre. Quand on peut répondre avec oui, on dit que la phrase est affirmative, c'est-à-dire exprimer l'accord et c'est pour dire oui. Donc répétez avec moi, une phrase affirmative. Et Karim, est-ce qu'il range sa chambre? La réponse est non, Karim ne range pas sa chambre. Quand on répond avec non, on dit que la phrase est négative, c'est-à-dire on n'est pas d'accord, et pour dire non. Donc répétez avec moi, une phrase négative. Donc la phrase affirmative est utilisée pour dire oui, et la phrase négative est utilisée pour dire non. Maintenant, on va découvrir comment passer d'une phrase affirmative à une phrase négative ou l'inverse. C'est très simple. Pour passer une phrase de la forme affirmative à la forme négative, il te suffit tout simplement d'ajouter deux petits mots dans la phrase, ne, pas, et encadrer le verbe. C'est-à-dire j'ajoute ne avant le verbe et pas juste après. Pour t'aider à mieux comprendre, voici un exemple. Je joue au ballon. Cette phrase est utilisée pour dire que quelque chose est vrai. Donc la réponse c'est oui. Alors c'est une phrase affirmative. Donc pour passer à la forme négative, j'ajoute les deux petits mots ne, pas. J'ajoute ne avant et pas juste après joue. Et la phrase deviendra je ne joue pas. Pas au ballon. Et pour passer de la forme négative à la forme affirmative, il faut supprimer les deux petits mots ne, pas autour du verbe. Prenons enfin la phrase maman ne prépare pas le pain. Cette phrase dit non. As-tu remarqué que cette phrase contient les petits mots de négation? Ne pas? Alors, c'est une phrase négative. Donc,
pour faire passer cette phrase de la forme négative à la forme affirmative, on fait l'opération inverse et on supprime les mots négatifs qui encadrent le verbe. On obtient alors la phrase « Maman prépare le pain ». Souviens-toi, une phrase peut être à la forme affirmative pour dire oui et lorsque quelque chose est vrai, ou à la forme négative pour dire non ou dire le contraire. Maintenant, tu sais exactement quelles sont les différentes formes de la phrase et comment faire pour passer de l'une à l'autre.